C'est une langue de sable bordée au nord par un chapelet de lagunes aux eaux saumâtres. Au sud, les vagues de la Méditerranée laissent de longs baisers salés sur la côte. Ici, solidarité et entraide ne sont pas que des mots, mais le quotidien de plus d'une centaine de femmes et d'hommes exclus de la normalité, à qui l'on donne ou redonne une vie, la leur. 370 hectares de terre et de lagunes, c'est tout un terroir qui est valorisé par les compagnons de Maguelon. On y cultive la vigne, on y fait le vin, on y façonne des échantillons de menuiserie alu pour les showrooms du monde entier. On y pratique la pêche, qui sera vendue sur place. On s'y restaure uniquement avec des produits en circuit court. À quelques mètres de la cathédrale se trouve le restaurant des Compagnons. Ici, que l'on soit handicapé ou non, on se côtoie, on partage. Et surtout, on est en lien avec le public, comme Simon, qui est ici depuis 9 ans. Bonjour Simon. Bonjour Gilles. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Oui. On voit que vous êtes de service, je vous laisse travailler. On se voit un petit peu plus tard ? Pas de soucis. Super. Avec plaisir. Merci. J'ai appris mon métier dans un centre de formation qui se trouve à Florensac. Et j'ai choisi ce métier parce que ça me correspond. Je suis quelqu'un de très organisé, très rangé, très propre au niveau d'hygiène. Et du coup, j'ai voulu choisir ce métier par rapport à mon souci que j'ai de pouvoir l'exprimer au quotidien et de travailler au quotidien avec les clients, avec des gens que je ne connais pas. Les gens oublient souvent où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans un cadre privé. Donc du coup, c'est vrai que notre image déjà les fait déjà baisser d'un ton. Et du coup, ils arrivent à se mettre à notre niveau, quelque part. Et c'est ça qui est beau. Sans même qu'on ait à le dire, ils arrivent à se mettre à notre niveau. Parce que la plupart des gens considèrent ce lieu comme un restaurant traditionnel, comme moi, de partout. Nous, on nous a appris ici à être tout le temps sur la même ligne. Donc, ce qui fait qu'on est des compagnons, mais avant tout, on ne s'appelle pas compagnons, on s'appelle par nos prénoms ou par des collègues. On est des compagnons, mais c'est marqué seulement aussi sur le contrat qu'on est des compagnons. Ce n'est pas marqué sur nos fronts, c'est pas... Voilà. On est des collègues de travail et c'est... Voilà, c'est... Les compagnons, de toute manière, c'est un symbole aussi où on partage. Donc on se partage le travail. À la même tête. On y va ? Ouais. Ah, il me manque une salade de bœuf ? Alors, nous sommes sur une gamme qui est élevée en cuve inox. Donc nous appelons la cuvée Insula. Je sais que dans celui-là, moi, les arômes que je ressens, c'est la mer, la roche. Il y a le calcaire qu'on peut ressentir et les agrumes. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a comme arôme. Nous, on le recommande le plus souvent avec les fruits de mer. Crustacés, fruits de mer, notamment les huîtres que nous élevons nous, dans nos étangs. Et donc voilà, donc une bonne petite dorade aussi, cuite au four, ça peut être pas mal aussi. Ou même en grillade, des petites sardines grillées. Ça donne faim, hein. Sur cet ancien îlot volcanique, le monde n'y est peut-être pas parfait, mais chaque jour qui passe œuvre à l'entraide et au partage entre les compagnons et perpétue ainsi l'histoire de ce lieu chargé de belles énergies.